Bonjour à tous et bienvenue dans mes poubelles parties. Aujourd'hui, une des plus grosses déceptions échéquiennes, GV Blanc contre Pavel Trigubov, grand maître à quasiment 2600 Elo. On est en top 12 lors de la ronde 1. Donc pour moi, c'est un rêve de jouer en top 12. J'avais jamais joué de ma vie dans cette catégorie ici. Et c'est la ronde 1, GV Blanc contre Grand Maître à quasiment 2600. C'est chaud. Donc l'ouverture se passe assez bien parce que je m'étais bien préparé. Dans les ouvertures, j'ai fait E4, C5, cavalier F3, E6. Cette ligne sur la sicilienne avec cavalier C6, on joue cavalier C3. Cavalier F6, c'est une ligne très très compliquée. Je fais cavalier prend C6, pion prend C6, E5, c'est la grande théorie, tout est compliqué. Cavalier E5 et cavalier E4, c'est le bon coup. Dame C7, c'est la ligne principale. Et lui, il a plutôt joué avec fou B7, qui est une ligne vraiment secondaire. Donc, j'avais préparé la ligne, je connaissais très très bien. J'ai joué ici le coup fou E2. Et sur C5, j'ai joué petit roque. Dame C7, C4, cavalier E3. Donc il y a plein de lignes aussi avec cavalier D6, je pars MVL notamment, mais j'avais préparé ma ligne avec C4, où j'avais une bonne position sans risque et ça se passait bien. Donc il m'a joué cavalier E3, qui est assez thématique, hein. Je vais manger ici, il va manger en E4, donc c'est la partie. J'ai mangé en E4, il a mangé en E4, j'ai fait F4, ou E7. Ou F3, donc là tout se passe bien. Et sur petit roque, fou D2 pour placer le fou en C3. Après fou C3, je suis enfin hors préparation. Donc là on est au 17e coup. J'ai obtenu cette position lors de ma préparation. Donc je suis pas mécontent du tout parce que je joue un grand maître à quasiment 2600 Elo. J'ai une position à peu près égale, voire un tout petit peu mieux pour moi grâce au pion D7 qui est un petit peu arriéré. Mais sinon la position est assez équilibrée. Donc il a mangé là, je mange du fou, il pousse le pion, je recule mon fou, il met la tour ici. Donc la position ici elle est égale, mais quand même en pratique il a deux faiblesses ici que je réussis à attaquer. Donc je pense que j'ai une position où je peux pas trop perdre normalement, et je peux essayer de mettre un petit peu la pression pour gagner. Donc j'ai fait dame E4 pour attaquer le pion E6, pour m'enlever du vis-à-vis de la colonne F tout simplement, ou F6 pour défendre. J'ai mangé et sur tour prend, j'ai fait le coup F5. Donc l'idée d'F5, c'est d'essayer vraiment de me débarrasser de ma faiblesse en F4 et de provoquer aussi un trou en D5. Après dame B8, je défends le pion en B3 et sur pion prend, j'ai fait l'échec et j'ai récupéré le pion en F5 avec avantage de ce pion isolé en D6. Donc il joue roi H8, je fais tour prend F5. Dame prend et il me joue tour E5. Dame D7, H6, tour D1 et tour E2. Dans cette position, j'ai commis l'irréparable. J'ai une position qui est égale. Clairement, c'est égal. On va faire nul en fait. Je pensais que je peux mettre un peu la pression grâce au pion D6 qui était faible, mais au final, la tour noire est assez active. J'ai aussi A2 qui est en l'air. Et ici, bon, normalement, il peut faire dame prend D6. Et après dame prend D6, tour prend D6, tour prend A2, la nulle va être signée. Hein. Je vais attaquer son pion, il va attaquer le mien, je mange le pion, etc. Et on va faire nul assez facilement. Au lieu de ça, j'ai calculé, alors vous voyez un petit peu comment je suis complètement fou, j'ai calculé en fait une ligne qui fait nul en force. Et je sais pas pourquoi, parce que là si je veux faire nul en fait, bah, dame prend D6, tu fais nul, basta, stop. Et dans ma tête, alors regarde un peu ce qui s'est passé. J'ai calculé pendant très longtemps. J'ai calculé ça. Qui est un très très mauvais coup. Hein. Donc lui, il a fait le super coup. Hein, dame F8. Et là, je suis mat imparable. Alors, il menace tour un mat. Et si je pars la menace, il y a échec et mat. Et c'est impossible de parer les deux mats en même temps. Je ne peux pas. Même si je close la dame, il me fait tour 1. Si je fais H3. Il me fait échec et mat. Je suis mat. Donc j'ai abandonné après dame F8. J'ai calculé, sur tour prend D6, il allait faire ici le coup tour prend A2. Et sur tour prend A2, j'avais vu dame E7, menace ça, et c'est imparable en fait. Sur un coup comme roi ici, j'avais vu dame échec, etc. Dans ce qui s'est passé, j'ai calculé tour A1, roi là, tour échec. Roi là, bien sûr, pour ne pas me mettre sur l'échec de la dame. Et sur tour A1, roi E2,
Et sur tour échec, j'ai calculé roi E3. Et j'ai bien vu que le seul coup qu'il avait pour pas perdre, c'est dame prend B3. Et après dame prend B3, j'ai calculé tour D3. Et sur dame prend C4, j'avais vu que j'avais ici le coup échec. Et que sur roi H7, je gagne. Grâce à dame F5 échec. S'il met le roi là-haut, j'ai tour ici avec mat. Et si le pion arrive ici, j'ai tour échec et je maté. D'accord? C'est-à-dire que s'il met le roi en G6, je me prendrai ici et maté un peu comme je veux. S'il met le roi ici, je fais échec et mat. Donc ça, j'ai calculé. Et j'ai aussi calculé que sur dame F8, il avait dame G8. Mais là, je refaisais dame E7, remenaçais ça. Et qu'il allait en fait répéter. Donc soit roi H7 et j'avais échec, retour, je reviens. Soit avec dame C4. Et je refais échec, il revient. J'ai calculé la nulle ici. Bon, ce que j'ai raté, en fait, c'est qu'en jouant dame F8, dame G8, ce que j'ai raté, c'est que sur dame E7, eh ben, il a tour A6. Il gagne la partie. Bon, ça, je ne l'ai pas vu, hein, de toute façon, ça n'a pas été joué. Mais vous voyez un petit peu à quel point on est bête. Parce que, enfin, je suis bête. Parce qu'en fait, si je veux faire un nul, enfin, si je calcule tour prend D6, pour faire nul en force, c'est une partie qui est complètement folle. Je donne quand même mes trois pions A2, B3, C4 pour faire nul. Et je peux me tromper dans mes calculs. D'ailleurs, tour A6, je l'ai raté. Pourquoi est-ce que je prends un risque en faisant tour prend D6 alors que dame prend D6, ça fait nul en un coup? Pourquoi? En fait, s'il refuse la nulle, enfin, s'il veut pas échanger les pièces, ben, je peux jouer. Dame est là, je peux jouer H3, j'ai plein de coups. Là, j'ai un pion de plus. Donc là, c'est moi qui joue. Vous voyez? Je peux peut-être aussi manger en C5 un jour. Et ici, tour 1 échec, il faut bien faire attention que ça ne marche pas. Pour tour prend, il mange ma dame. Et bon, j'ai roi F2 qui est pas mal. J'attaque là, j'attaque là. Bon, on va échanger les pièces encore une fois. Et puis là, maintenant, je peux la gagner peut-être. Parce que maintenant qu'il va attaquer là, je pourrais défendre. Et là, j'ai un pion de plus. Vous voyez? Donc vraiment, tour 1, ça ne marche pas. Et alors pourquoi est-ce que j'ai fait tour prend D6 pour faire nul alors que dame prend D6 était le plus simple, ça faisait nul en un coup et en plus j'ai raté les tactiques. Donc ça, c'était la première ronde du top 12 qui pour moi était un tournoi très important dans lequel il fallait vraiment jouer et être en forme parce qu'on joue contre une adversité extrêmement forte, extrêmement relevée et commencer avec une nulle dans ce championnat contre un joueur à 2600 Elo, ça aurait été pour moi... Bah déjà une mise en confiance dans le tournoi et c'est difficile. Au final, bah, j'ai perdu bah, très bêtement. Et au final, bah, c'était un petit peu le début de la longue série, hein, parce que c'était vraiment un tournoi très difficile pour moi. Et j'ai jamais réussi à rentrer en confiance dans ce tournoi, donc j'ai fini avec peu de points. J'ai perdu des points Elo. Mais en tout cas, l'expérience était très très bonne. D'ailleurs, cette année, on va retourner en top 16 cette fois-ci. Et j'espère me refaire et faire un peu mieux que la dernière fois. En tout cas, c'est une partie qui m'a fait quand même du mal de perdre comme ça. J'avais fait une grosse préparation, j'avais bien joué. Et perdre en un coup, ça m'avait quand même pas mal déçu. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'échec, c'est la vie. En tout cas, c'est une partie que je catégorise dans mes poubelles parties parce que j'ai fait 18 coups de préparation pour perdre bêtement au 28e alors que les coups étaient très très simples. Et donc, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vite vous abonner pour continuer à avoir du contenu de qualité. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!